Salut, salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va aller à la découverte donc du jeu Crash de Melbet. Alors, si vous ne connaissez pas Melbet, c'est une plateforme de paris sportifs comme un Xbet ou bien un Win, donc, mais qui propose quand même beaucoup plus de jeux et qui est plus cool en termes d'interface, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller à la découverte du jeu Crash. Je vais vous montrer des techniques en fait pour pouvoir gagner beaucoup plus efficacement sur le jeu Crash donc, de Melbet. Alors, le jeu Crash, c'est quoi donc? C'est un jeu en fait, comme son nom l'indique, donc c'est un avion qui vole. Et donc, vous devez récolter les points au fur et à mesure que l'avion décolle avant qu'il ne se crash. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est aussi simple que ça. Seulement, c'est qu'il y a des techniques maintenant que vous devez apprendre peut-être au fur et à mesure pour vous renforcer. Et c'est ça le but de cette vidéo. Je vais essayer donc de vous montrer le maximum possible comment vous pouvez donc gagner à ce jeu-là. Voilà, donc avant tout, il y a quelque chose qui doit être fait et qui est primordial, c'est donc d'avoir un compte Melbet. Il faut créer un compte et donc se connecter. Et ça, je vous assure, il n'y a rien de plus simple que ça. Alors, pour la création de compte, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'abord de cliquer sur le lien qui se trouve au niveau de la description, qui vous amène directement sur cette page. Et une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est donc de cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Une fois ici, vous pouvez choisir l'inscription par téléphone, c'est la plus simple. Et là, donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Juste donner votre numéro de téléphone. Ensuite, une fois que vous mettez votre numéro, par exemple, moi, c'est ça mon numéro. Là, ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Envoyer un SMS » pour confirmer votre numéro de téléphone. Alors, ils ont besoin que vous confirmiez votre numéro de téléphone pour savoir en réalité que le numéro, c'est le vôtre. Ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est juste choisir, par exemple, votre monnaie. Si moi, puisque je suis au Sénégal, donc je vais choisir naturellement France CFA de l'Afrique de l'Ouest. Bon, là, juste que je dois changer le numéro, voilà, donc c'est 78 ici. Voilà, donc, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le bouton « Envoyer un SMS ». Alors, à chaque fois, il y a un quiz qui est là, donc pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. Vraiment, ce n'est pas du tout difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner voilà, les icônes qui sont là dans l'ordre qui est donné en haut. Voilà, c'est vraiment simple. Je vais vous aider à faire ça et vous voyez donc que ça passe. Voilà, le message est envoyé. Et là, vous allez voir que dans quelques secondes, je reçois un message sur mon téléphone. Je vais ajouter le code. Donc, le message contient un code. Donc, je mets juste le code ici et le truc est fait en fait. Voilà, donc le code est là, je l'ai reçu, donc je le tape. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est bon. Une fois encore que je termine de taper, je clique juste sur le bouton confirmer pour que Melbet confirme en réalité que le code que j'ai entré, c'est celui que j'ai reçu par SMS. Et c'est fini. Et maintenant, il y a le gros lot qui reste. Maintenant, c'est le code promo. Ça, quand même, c'est le plus gros des lots. C'est-à-dire qu'il faut naturellement que vous utilisez un code promo pour pouvoir vraiment bénéficier de beaucoup plus de fonctionnalités quand vous jouez. Par exemple, le code promo que je vais vous proposer aujourd'hui qui s'appelle BakrBet, donc c'est mon code promo que je vous propose en tant qu'abonné, c'est un code promo qui vous permet de bénéficier de beaucoup donc d'avantages. À savoir donc si vous déposez de l'argent et que vous jouez et que donc par malchance que vous perdez, vous aurez un remboursement de 30% de ce que vous avez perdu. Imaginez donc si vous avez par exemple perdu 10 000 francs, on va vous rembourser jusqu'à 3 000 francs, donc à travers ce code promo-là. En plus de cela aussi, vous allez bénéficier donc des bonus. Et donc, vous pouvez même voir que vous pouvez gagner jusqu'à 1 115 000 francs CFA de bonus juste après votre premier dépôt. Donc, je vous conseille naturellement d'utiliser le code promo et ensuite on passe. Et ensuite, on passe vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que là, on clique sur le bouton s'inscrire. Voilà, donc on s'inscrit. L'inscription aussi, c'est la même chose. Ils vont amener le quiz là, donc qui permet de vérifier si on n'est pas un robot et tout ça. Donc, on a jusqu'à sélectionner. Vraiment, c'est quelque chose de très simple. Donc, vous avez juste donc, à vérifier bien l'ordre de ce qui est en haut. Voilà, donc c'est vraiment simple. Voilà. Et une fois ici, tout ce que vous allez voir, naturellement, le compte a été créé. Et là, j'ai juste donc à cliquer sur le bouton OK. Et là, naturellement, on voit que notre compte a été créé. Donc là, on a accès à notre compte. Et comme on le voit, donc la balance, elle est de 0 francs CFA. Normalement, oui, c'est ce qui est normal puisqu'on vient de créer notre compte. Ce que je vais vous montrer en premier, c'est donc comment vous pouvez faire votre premier dépôt sur Melbet. Alors, puisque moi, je suis au Sénégal, on me propose naturellement tous ces comptes-là, donc les méthodes de paiement Wave, Orange Money et tout ça. Des fois, l'Orange Money peut quitter et revenir. Donc, vraiment, c'est quand même disponible tout le temps. Voilà, donc ici actuellement on a Wave de préférence, mais moi j'ai préféré Wave, je sais pas vous. On va utiliser Wave alors. Donc ce qu'on va faire, c'est juste donc déposer une somme.
Je vais essayer de déposer, par exemple, 2000 francs sur notre, à travers notre compte Wave. Et là, donc, naturellement, c'est le numéro de téléphone avec lequel on s'est inscrit qu'on peut faire le dépôt. Mais ça ne compte pas pour les dépôts, ça compte juste pour les retraits. Pour les dépôts, on peut faire avec n'importe quel numéro. La preuve, ici, je vais juste scanner mon code, voilà, scanner ce code QR-là, je vais entrer dans Wave, j'escanne ce code QR-là que vous voyez par ici, et une fois que je l'escanne, on est directement redirigé donc sur une autre page qui nous dit que notre versement a été fait avec succès. Voilà. Donc voilà, l'opération de dépôt a été effectuée avec succès. Et là, on clique sur retour à la page d'accueil pour aller vérifier si notre argent est venu ou pas. Au début, ça peut ne pas venir comme ici. Vous voyez donc c'est 0 francs CFA. Mais quand vous rechargez la page, ou bien que vous cliquez sur ce bouton recharger là, voilà, ou bien donc que vous rechargez la page, vous allez juste voir que vos 2000 francs sont là. Donc le dépôt a bien fonctionné et que l'argent, il est là. Voilà, donc naturellement, on peut déjà commencer à miser, les gars. Donc, à commencer vraiment à aller découvrir le jeu Crash là pour voir comment on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, pour cela, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est donc d'aller au niveau donc des fast games. Voilà, là où il y a fast game, vous cliquez là-bas. Et là, vous allez voir qu'il y a plein d'autres jeux qui sont là que je vais vous montrer après dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le jeu Crash. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, donc il y a des tonnes de vidéos, donc il y a des tonnes de jeux, voilà, les jeux de dames, les jeux de casino et tout ça, que je vais essayer de vous faire découvrir dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le jeu Crash qui est là. Donc, une fois que le jeu est là, donc je vais essayer donc d'activer le plein écran. Donc, voilà, vous pouvez activer le plein écran avec la combinaison Shift F11. Ça dépend aussi de votre machine. Et là, donc, vous allez voir que vous avez une vue meilleure pour jouer vraiment au jeu, donc sans perturbation. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce jeu-là? Il faut d'abord découvrir qu'à gauche, donc, il y a l'historique des gens qui sont en train de jouer. Et cette historique-là, elle est très importante parce que c'est avec ça que vous allez vous référer pour pouvoir vraiment savoir est-ce que vous devez miser ou pas. Voilà. À droite, maintenant, on a la partie où on doit miser. Donc, il y a les parties, il y a les donc, paris automatiques que je vous conseille pas, donc je vous conseille d'utiliser vraiment vos paris, donc, et que vous sachiez que vous-même, vous avez parié pour vous. Et là, vous voyez, donc, vous pouvez basculer les sommes, voilà, vous pouvez ajouter, augmenter la somme, choisir la somme. La mise minimum, en tout cas, c'est 200 francs, donc, il faut aussi le savoir. Et ensuite, le but du jeu est très simple, comme je vous l'avais montré au début. Donc là, il y a un temps ici qui est en train d'écouler avant que l'avion décolle. Voilà, l'avion donc décolle à partir du gauche et donc à un moment donné il s'écrase et vous pouvez voir que les cotes sont en train d'augmenter au fur et à mesure que l'avion décolle jusqu'à qu'il s'écrase. Maintenant le but c'est que nous on clique sur placer un pari et donc on essaie donc de bénéficier donc d'une multiplication avec le cote qui est en train d'évoluer avant même que l'avion s'écrase. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir cliquer sur le bouton récupérer les gains avant que l'avion se crache, comme je viens de le faire par ici. Voilà, donc ça c'est une petite démonstration comme vous pouvez le voir. On peut réessayer pour voir en augmentant par exemple la somme. Ici on peut augmenter la somme jusqu'à 600 francs par exemple. Voilà, comme vous pouvez le voir, le pari est accepté. On attend que l'avion décolle et ensuite on aura jusqu'à cliquer sur le bouton récupérer les gains. Maintenant, la technique peut-être que je vais vous montrer ici, c'est surtout de remarquer le côté gauche pour voir quelle est la tendance en fait. Si les gens sont en train de gagner et de gagner tout le temps, tout le temps, là vous ne devez pas beaucoup miser, donc vous devez patienter. C'est-à-dire que les gens qui gagnent plus sur ce jeu-là, c'est les gens qui sont plus patients en fait. Voilà. Et aussi, il ne faut pas miser tout d'un seul coup, tout ce que vous avez. Il faut donc miser étape par étape en augmentant la somme et en rabaissant la somme. Et surtout en fonction de la tendance des gens qui jouent à droite. Voilà. Comme vous pouvez le voir par ici. Donc, il y a un élément essentiel aussi que je dois vous montrer, c'est comment vous pouvez retirer votre argent. Il n'y a rien de plus simple aussi que ça. Comme le dépôt, donc le retrait est très simple. Vous avez juste qu'à aller sur retirer de l'argent sur votre compte. Naturellement, vous sélectionnez Wave et là, donc, vous donnez la somme que vous voulez retirer. Et cette fois-ci, donc, le numéro de téléphone reste le numéro avec lequel vous avez créé le compte. Donc là, il faut vraiment faire attention. Il faut que le numéro avec lequel vous avez créé le compte ait un compte Wave déjà. Et donc, vous cliquez sur retrait et le retrait est fait.
Voilà les gars, donc dans l'ensemble c'était ça. J'espère encore que la vidéo va vous aider. On va faire plein d'autres vidéos sur ça pour vous montrer d'autres astuces. Mais aujourd'hui je m'arrête là parce que la vidéo a pris beaucoup de temps. Et donc on se dit les gars à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci beaucoup.